Salut tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui, on va donc parler en fait, du comète. Je crois que ce qu'on prononce de cette manière-là, alors en fait, c'est un smartphone. Pour l'instant, malheureusement, c'est un projet. Donc, ce que vous allez voir sur l'écran, c'est une sorte de prototype. C'est un projet donc de Indiegogo. Je vous en avais d'ailleurs un peu parlé, puisque souvent, ils proposent un peu, un peu des choses un peu futuristes. Et c'est super intéressant, puisque ici, comme vous avez dû sans doute le constater bien dans le titre, c'est un smartphone qui a cette capacité de pouvoir aller sous l'eau, mais surtout vraiment son petit plus, c'est de flotter sur l'eau. Et je trouve en plus de ça, ce qui est super intéressant, c'est que ce smartphone-là, enfin en tout cas voilà, il n'est pas vendu, il ne sera pas en vente et peut-être à voir, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que je le trouve pas très cher et pourtant il a des très bonnes caractéristiques que je vais vous dire juste après. Donc en fait, ce sont donc des personnes qui ont, on va dire, inventé ce smartphone-là. Enfin après, ça reste à voir de est-ce qu'ils vont le commercialiser, puisqu'ils ont fait une sorte, ils font appel aux dons et pour l'instant ils ont pu récolter 18 000 dollars et ils aimeraient avoir au moins 100 000 dollars pour lancer réellement le projet, puisque bien sûr c'est un coût et ça coûte très cher. Et en plus de ça, en plus des smartphones, on a les oreillettes. Alors les oreillettes qui sont normalement un peu waterproof et qui sont sans fil, c'est-à-dire à mon avis qui doivent se connecter par Bluetooth, mais en tout cas il n'y a pas d'informations supplémentaires au niveau des oreillettes, des écouteurs. Mais ça aussi, ça peut être assez cool. Bon, à la fois waterproof, donc c'est-à-dire dès que tu vas prendre ta douche et tout, tu peux écouter de la musique sans avoir des soucis. Moi ça m'arrive des fois, mais à la fois mieux vaut mettre peut-être une petite enceinte pour écouter de la musique, enfin bref. Et donc c'est vrai que je trouve que c'est un assez bon plus de retrouver un peu cette capacité, cette possibilité-là, que ce smartphone-là puisse, on va dire, aller à la surface. Après, bien sûr, il ne pourra pas aller trop en profondeur, puisqu'avec la pression, avec l'eau, le smartphone va casser un peu. D'ailleurs, comme tous les smartphones qu'on retrouve en fait sur le marché qui peuvent aller sous l'eau, ils peuvent pas aller à une certaine profondeur. Et d'ailleurs, c'est pas 1 mètre ou 2 mètres ou 5 mètres, sous l'eau, sinon le smartphone aura un problème. Et donc au niveau des caractéristiques, donc là je vais vous en parler, c'est super intéressant, puisqu'on retrouve donc au niveau du processeur un Snapdragon en fait 810, donc c'est bien, mais bon voilà, il y a mieux encore. Et avec 4 Go de RAM, donc ça c'est cool, un écran HD, donc AMOLED, et un écran donc avec une taille de 4,7 pouces, donc c'est plutôt, pour vous dire comme ça, c'est quand même un assez gros écran sans être l'un des plus gros sur le marché. Il y a encore plus gros, on peut retrouver même du 5,5 pouces. Donc 4,7 pouces, ça situe bien, je trouve, parce que maintenant c'est vrai qu'on recherche de plus en plus des smartphones assez fins. D'ailleurs celui-là il est assez fin, mais surtout aussi des smartphones avec un grand écran, donc ça c'est bien, et avec deux capteurs aussi de 16 mégapixels. Donc ça, à mon avis, ça doit être l'appareil photo et puis peut-être l'appareil photo aussi frontal, je ne sais pas, mais en tout cas à mon avis c'est l'appareil photo qu'on retrouve juste derrière et l'appareil photo frontal. Et aussi donc le premier modèle en tout cas qui sera vendu lorsqu'ils pourront réellement lancer leur projet, ça sera à partir donc de 32 gigabits le premier modèle, pour un tarif au total de 289 dollars. Ouh là là, excusez-moi. En fait, j'en ai d'éternuer aussi à la fois, donc c'est assez compliqué de parler. Et donc 289 dollars, ce qui fait environ peut-être 250 euros, on va bien arrondir. Et je trouve que pour ce prix-là, en tout cas, c'est un très bon choix en tout cas. Voilà. Donc après, ça reste à voir. Et puis surtout, ça va demander beaucoup de temps et tout, etc., etc. Et peut-être entre-temps, ils vont un peu changer les caractéristiques. C'est-à-dire que, déjà, moi honnêtement, 16 mégapixels, c'est beaucoup trop sur un smartphone. Je considère qu'un smartphone au-delà de 10 mégapixels, après, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Parce que si tu veux être un photographe, entre guillemets, il faut, tu t'achètes un vrai appareil photo qu'un smartphone. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment des très bons plus là-dessus. Et puis aussi, peut-être qu'il y en a qui vont se demander, mais pourquoi, voilà, ça sert à quoi qu'il flotte sur l'eau et tout. Et d'ailleurs, ils en ont parlé de ça, puisqu'ils expliquent en fait que 82,5 millions de mobiles finissent chaque année en fait endommagés par l'eau au fond des WC, etc., etc., ou voire à la piscine. Donc 82,5 millions. Donc bien sûr, ça c'est dans le monde, hein. Ils ont fait des sortes de petites statistiques et tout, hein, c'est pas en France. Mais ça représente quand même un assez gros chiffre et peut-être que ça peut intéresser en tout cas plus d'un. Moi en tout cas, ça pourrait éventuellement m'intéresser, surtout à ce prix-là, 250 euros. T'as un très bon smartphone, et puis bon, en plus de ça, il a pas mal de petites capacités, hein, qu'on retrouve un peu sur tout
tous les smartphones maintenant avec ce système où on peut eh bien un peu ralentir en mode vidéo. Il y a vraiment un tas de choses intéressantes là-dedans. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi. Ouais, j'ai du mal, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc là je galère un peu. En tout cas, merci beaucoup hein, de votre soutien et tout, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis j'ai trouvé en tout cas voilà ce projet très intéressant et c'est pour ça que je vous le partage eh bien aujourd'hui. Merci beaucoup les gens, puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, peace out.